Salut, c'est Yoran. Je suis content de te retrouver pour une nouvelle pensée du jour. Aujourd'hui, nous parlons de soif. La pensée du jour se trouve dans le psaume 42, verset 1. Comme une biche désire l'eau du ruisseau, ainsi je te désire, toi mon Dieu. En 1804, alors que la paix d'Amiens vient d'être rompue, les Anglais décident d'occuper le rocher du Diamant, un petit îlot situé dans la mer des Caraïbes, à 3 km de la pointe du Diamant, à l'île de la Martinique, dans le canal de Sainte-Lucie. Bien sûr, l'armée française, avec l'appui espagnol, va répliquer et va s'organiser un siège du Rocher du Diamant qui prendra fin le 2 juin 1805. Lorsque les Français finalement se rendent maîtres de la place, ils trouvent des soldats anglais complètement déshydratés. En fait, ils manquaient déjà d'eau depuis des semaines et s'étaient résolus à boire leur propre urine. Dégoûtant, n'est-ce pas? C'est fou ce que l'on peut faire quand on a soif. Le texte nous parle d'avoir soif de Dieu. Et on comprend ici que la soif, avant d'être un désir, est surtout un besoin essentiel. Aujourd'hui, je te propose de prendre conscience de ton besoin de Dieu. Ces pensées du jour te font du bien, elles t'aident à bien démarrer la journée. N'hésite pas à t'abonner, comme ça tu n'en rateras aucune. Si tu as une remarque, une question, si même tu voudrais que l'on prie pour toi, n'hésite pas à interagir avec nous, laisser un commentaire et ce sera avec plaisir qu'on répondra. Surtout, n'oublie pas, je te donne rendez-vous demain pour la prochaine pensée du jour.